Très chers téléspectateurs, grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, c'est l'émission qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'entreprise du Christ. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme de Dieu, le docteur Christian Bialoi. C'est avec lui que nous allons parler d'un thème très intéressant. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est que William Branham, prophète ou Dieu, fausse doctrine. William Branham, prophète ou Dieu, fausse doctrine. Nous allons développer avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, bonjour. Bien, je disais que Dieu, on l'a appelé dans plusieurs noms. On l'a appelé Elohim. Vous savez, Abraham l'a appelé Elohim. On l'a appelé El Shaddai, on l'a appelé Adonai, on l'appelle El Shaman, dans de plusieurs noms de la rédemption. Mais la parole nous dit que ce Dieu-là a fini par prendre le dernier nom. Et c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même dans la Bible, vous trouverez, on nous dit il n'y a point de salut dans un autre nom, si ce n'est que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est à Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Il n'y a point de salut en dehors de ce nom. Et le dernier nom que Dieu a pris sur la terre, et le nom qui donne le salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas un autre nom. Pas un autre nom. C'est très important. Alors, l'homme de Dieu, je suis vraiment curieux. Vous êtes pasteur du message du temps de la fin, mais... Vous parlez, vous avez mis la place publique le thème ici, William Branham, prophète ou Dieu. Donc, par rapport à ce que vous avez développé, ce qui vous a motivé à mettre sur la place publique ces thèmes, apparemment, je me suis rendu compte que dans le message des temps de la fin, il y a beaucoup de courants. Il y a ceux qui croient que Branham est un prophète, il y a d'autres qui croient que Branham est un Dieu. Qu'en pensez-vous? Évidemment, il y a des courants, comme vous appelez ça aujourd'hui dans le message. Il y en a qui croient que Branham est le prophète, et tout court, un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Et il y en a qui croient que Branham est Dieu même, le créateur. Et c'est comme ça qu'ils baptisent les gens au nom de Branham, et ils adorent au nom de Branham. Ce sont des courants dans le message. Mais Branham prophète, d'autres aussi Branham Dieu. Pas prophète directement Dieu. Dieu, donc qu'il faut adorer. Donc l'être suprême, dont vous venez de parler. Ils disent que c'est William Branham. Et ils baptisent même au nom de William Branham. L'être suprême là qui a nous créé le monde. Elohim, tout voilà. Ça. Donc a pris un nom humain. Et appelle cet être-là. C'est William Branham. Et c'est ça même le nom nouveau de Jésus. C'est ce qu'ils disent. Mais quand nous regardons les Écritures, ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Et William Branham lui-même aussi a refusé cette histoire-là, de son vivant. C'est un truc, un isme, je peux dire, une doctrine qui a commencé depuis son vivant. Pendant qu'il était encore sur la scène, c'est-à-dire dans son ministère, en train de prêcher. Alors, lui n'a pas laissé ça comme ça. Il a pris position, il a démontré noir sur blanc que ça, c'est l'ennemi qui essaie de dérouter les gens pour les amener à croire à une fausse doctrine. Lui-même a appelé ça une fausse doctrine. C'est ça ce que nous appelons une fausse doctrine. Parce qu'on ne peut pas changer d'emblée la foi et vous commencez à adorer William Branham et au nom de William Branham et vous vous faites baptiser au nom de William Branham. Branham lui-même appelle ça une fausse doctrine. Mais Branham est prophète sur quelle base des Écritures dans la Bible? Merci beaucoup pour cette question. C'est ce qu'il fallait que nous puissions prêcher aujourd'hui. Tous les prédicateurs qui prêchent devraient d'abord s'asseoir sur cette Écriture-là. Sur base de quoi William Branham est véritable prophète de Dieu? C'est ça. C'est une bonne question. Avant que je puisse vous lire une Écriture qui positionne Branham dans les Écritures, je vais vous dire une chose. Un vrai prophète, nous venons de dire qu'il est la bouche de Dieu. Oui, oui. Il va démontrer qui l'a envoyé, qui l'a mandaté pour être prophète. Très bien.
Il va démontrer le véritable Dieu aux gens. Regardons un peu dans l'Ancien Testament. Nous voyons Élie, quand il est venu, il parlait au nom de Elohim, éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël. Et quand vous regardez les autres prophètes parler au nom de ces dieux-là, ils disaient toujours que je suis envoyé par le Dieu du ciel. Je suis envoyé par tel Dieu. Et William Branham, s'il est véritable prophète, ou il était le véritable prophète, dès son vivant dans son ministère, il devrait également positionner les gens pour démontrer qu'il a mandaté. Et c'est sur base de quelle écriture il se retrouve là comme prophète. Maintenant, je vais prendre la Bible. Pour vous lire une écriture, nous savons qu'il a été dit. Il y a une promesse dans la Bible. D'abord Moïse, dans Deutéronome. Je vais parler à partir de là. Dans Deutéronome chapitre 18, je vais prendre le verset. Attendez que je puisse. Deutéronome chapitre 18. Ok. Je prends verset 15. Verset 15. Je lis à partir de 15. Oui. Je vais m'arrêter quelque part ici. Écoutez ce que Moïse dit. L'Éternel ton Dieu, il s'adresse au peuple d'Israël, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Moïse s'appelle prophète. Il dit, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée. Et quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne voie plus ces grands faits afin de ne pas mourir. Qu'est-ce que le peuple avait fait? Le peuple avait refusé que Dieu ne puisse pas lui parler en direct. Parce que Moïse avait dit, vous cherchez Dieu, attendez, préparez-vous, arrangez-vous, nettoyez vos habits, comme ça je vais appeler Dieu qu'il vienne pour que vous puissiez. Vous connaissez l'histoire? Oui, oui. Et quand Dieu était en train de venir, il y a eu des tonnerres et des histoires là. C'était des voix impétuées qui pouvaient même écrouler des maisons. Et les gens ont dit, ils n'ont pas pu supporter. Ils n'ont pas supporté, mon frère. La puissance de Dieu était si grande. C'est comme ça que le peuple avait dit à Moïse, hey, Moïse, comme toi tu as la capacité de l'écouter, toi tu vas l'écouter et tu viens nous dire seulement ce qu'il a dit. C'est comme ça que Moïse dit, alors Dieu continuera à vous susciter et vous susciter un prophète, du milieu de tes frères. Maintenant, regardez, quand vous descendrez là-bas jusqu'au verset 22, vous allez trouver, Moïse dit, ces prophètes-là, vous allez reconnaître que c'est un vrai prophète. Quand il dira une prophétie, ça va s'accomplir. Voilà une des caractéristiques des vrais prophètes. L'autre caractéristique, c'est quoi? Ces prophètes-là, quand il va parler toujours au nom de l'Éternel. Il ne va pas se mettre à la place de Dieu pour qu'il puisse se faire adorer par les gens. Maintenant, regardez dans Malachie. Je vais dans le livre de Malachie. Malachie, c'est avant Matthieu. Je suis dans le livre de Malachie. Je suis au chapitre 4. Le verset, je vais prendre de 1 jusqu'à 6. Je vais calmement pour que vous compreniez. Car voici les jours ardents de l'Éternel arrivent. Ça vient comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous les véritables enfants de Dieu, qui avez besoin de Dieu, se levera le soleil de la justice. Quel est ce soleil? Écoutez. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous les ailes du soleil de la justice. Là. Continuons. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Vous comprenez un peu? Et alors, ce sera que ces gens-là qui vont recevoir, voici, je vous enverrai là, qui vont recevoir le soleil de la justice là, il y aura la guérison. La guérison, c'est vraiment leur apanage. C'est ça comme le bonus. C'est dans leur camp. Maintenant, écoutez. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur.
auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voilà. Il continue, il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il vient faire avant que le jour de l'Éternel arrive? Ce grand jour est redoutable. Les derniers jours, c'est ça le jour redoutable. Oh, batignons, bazo, banga, oh, fin du monde. Avant fin du monde, Dieu prépare déjà, il annonce déjà l'envoi d'un messager qui doit prêcher tout le monde entier. Qui vient avec un message puissant, qui doit balayer le monde. Bah, toi, tout bah, moi, oh, non, non, oh, bah, oui, bah, ça, y a l'église, bon, secte, bon, taisez-vous. Écoutez seulement ces messagers-là. Maintenant, écoutez, il dit, il les ramènera le cœur. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je suis au verset 5. Mm. Et avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il les ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà là où nous plaçons William Branham dans les Écritures. Il donc vient avec l'esprit d'Élie. C'est un autre Élie. William Branham. William Branham, c'est Élie le prophète de Malachie 4. Lui vient maintenant pour préparer le jour redoutable. Avant que le jour redoutable arrive, il vient préparer la venue du Seigneur. Parce que c'est là où le Seigneur vient pour récupérer son peuple. Et puis, il met le feu au reste. Alors, avant ce jour-là, William Branham arrive. Voilà là où nous les plaçons dans les Écritures. Et mais d'où vient qu'il soit Dieu? Mais c'est ça. Non, c'est ça ma, il est le c'est messager. C'est ça la grande question. Il mais, est l'envoyé de Dieu. Mais comment les autres les considèrent comme Dieu? Ah, c'est pour comprendre que... Pas comme Dieu d'ailleurs, il le considère vraiment Dieu. Il le considère Dieu. Dieu. Maintenant, et d'où vient cette écriture-là? D'où vient cette écriture-là? Regarde une chose. Quand un homme de Dieu arrive avec une vie qui est remplie de miracles et de prodiges, les gens ont tendance à diviniser cette personne. Ont tendance à adorer ce prophète-là. Regarde, tu vas trouver dans Apocalypse... Dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 jusqu'à verset 7, il y a une chose. L'ange ou le messager qui était en train de montrer à Jean, le divin, qui avait eu la révélation, oui, la vision là de Patmos. Oui. Quand il a montré à Jean et que Jean a vu que ces choses étaient vraiment réelles et que c'était des choses précises, Jean a eu tendance à adorer cet ange-là. L'ange lui dit, oh, ne m'adore pas. Je suis un des messagers de Dieu. Et Branham dit quoi? Voilà. Jean typifie l'église aujourd'hui. Parmi les enfants de Dieu, il y aura ceux-là qui vont avoir tendance à adorer l'ange du Seigneur. L'ange, le messager ici. Parce qu'il va venir avec une grande puissance et grande onction. C'est là où ils sont déroutés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? William Branham est lui-même. Yemei, comme on peut dire. Il a condamné cette doctrine-là de Branham Dieu et de prêcher au nom... De son vivant. De son vivant. Ça a commencé, mon frère. Il y a des gens qui sont venus. Oh, frère Branham, nous avons entendu au Canada, nous avons entendu ici. Tous ces gens-là qui prêchent le message, ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Attention, ah wow. Ils sont en train de oui, de nous écouter. Mais oui, qu'ils invitent. Vous êtes en train de créer. Ils m'invitent. Ils se disent, mais regardez ces soi-disant des dieux-là qui ne comprennent pas les choses. Non. Nous avons la révélation. Moi, je ne cet homme de dieux-là, vous ne savez pas lire entre les lignes. Mais nous, on a la révélation. William Branham est Dieu. William Branham est Dieu. Mon numéro. Bien là pour que vous n'avez pas la révélation. Non, mon frère. Tous ceux-là qui sont prédicateurs dans le message de William Branham, ils savent sur quoi je suis en train de me tenir. Frère Branham a dit dans un message intitulé « Le serpent écrasé ». Au chapitre 19, quand est ouvert quoi ça? Au paragraphe, comme on appelle ça dans le message. Le frère Branham est en train de condamner d'abord cette doctrine-là de les diviniser. Bon. Il y a eu même des gens, il y a beaucoup de passages parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a eu des gens qui étaient dans son église à qui on avait déjà prêché cette fausse doctrine.
Alors ils sont venus les voir, mais on m'avait déjà prêché ça. Ces gens-là sont venus se repentir à l'église, ils ont demandé pardon. Et frère Branham a prié pour eux. Que c'était une fausse doctrine. Ils étaient mordus par les serpents. Il dit bien que tout celui qui soutient cette doctrine-là m'amène à abandonner le ministère. Alors Dieu va les tenir pour responsables du fait que j'aurai abandonné le ministère. Ces gens-là, je ne crois pas, je ne comprends pas si réellement ils étaient des croyants du message de Branham, ils ne devraient pas continuer avec cette doctrine-là. Ils devaient déjà se repentir et demander pardon. Et tout celui qui baptise dans un autre nom, qu'il sache qu'il répondra pour cette âme-là qu'il a déroutée. Qu'il sache ça. Nous disons tout haut comme ça maintenant au micro ici pour que les gens comprennent que la fausse doctrine là ne restera pas impunie. Dieu punira tous ces faux prophètes, tous ces faux prédicateurs, les pseudos qui prêchent des faussetés. Branham a soutenu le christianisme du début à la fin de sa vie. Ah. Il nous a dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il est dit dans un message intitulé « La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ ». Révélation, brochure numéro 1. C'est là où il parle de ça. Tous ces prédicateurs-là, tous ceux que je suis en train de citer là, ils savent qu'ils aillent chercher. Très bien. Très chers téléspectateurs, vous êtes vraiment nombreux en train de me suivre. Vous nous suivez de partout. Nous sommes ici sur HT Télévision et vous nous suivez aussi sur notre chaîne 2 milliards de chrétiens. Et retenez que nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le docteur Christian Bialois. Bivan. C'est avec Billy, frère Billy. Oui, frère Billy. C'est avec cet homme de Dieu que nous parlons du thème William Branham, prophète ou Dieu. Et vous ajoutez fausse doctrine. Et vous affirmez haut et fort que William Branham, prophète ou Dieu, fausse doctrine. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre par doctrine? Mais en quoi est-ce que la croyance à la divinité de William Branham révèle une fausse doctrine? Merci mon frère pour la question. Avant que je puisse répondre d'une façon précise à votre question, je vais vous lire une écriture dans les Saintes Écritures. Écoutez-moi ce qui est dit. C'est Paul qui parle. Il dit, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il entend par l'évangile? Qu'est-ce qu'il veut dire l'évangile? C'est ça la doctrine. L'évangile, c'est l'ensemble de tout ce qu'ils connaissent dans la foi sur Christ. C'est ça l'évangile. Maintenant, nous appelons ça en termes de doctrine. Notre doctrine, c'est quoi? Je vais d'abord lire dans Romains chapitre 1. Romains chapitre combien? Chapitre 1, le premier chapitre là, Romains, dans les livres de Romains. Romains chapitre 1. Tout celui qui prêche, il doit savoir quel est l'évangile que je prêche aux gens. Oui. Écoutez, Paul dit, Paul serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quel est l'évangile que nous devons annoncer au peuple qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, cet évangile-là, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il continue. Et qui concerne son fils né de la prospérité ou de la postérité de David, selon la chair. Okay. Évangile, wana, il faut concerner le fils de Dieu. L'évangile doit parler du Fils de Dieu. Et vous comprenez déjà l'évangile dont Paul parle ici. Continuons. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il parle de qui? Il parle de qui en écoutant ses écritures? Il parle de Christ. Il parle de Jésus-Christ qui était mort, qui est ressuscité. Rien de Jésus n'est resté dans la tombe. Et s'il y a l'évangile, on doit prêcher Christ. Et la doctrine du christianisme, c'est Christ. Toute la vie de Christ, c'est ça la doctrine. Continuons. Et il dit ceci. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens.
Vous écoutez mon frère. Et on doit amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Quelle foi? En Christ. Continuons. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Quel est cet évangile qu'il va raconter? C'est Jésus-Christ. La vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection et son départ. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Et c'est ça l'évangile qu'on devait prêcher. Maintenant écoutez. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Okay. Du fait de juifs premièrement, puis grec. Je vais dire aussi pour les Congolais aussi. On doit prêcher Christ. C'est ça la doctrine numéro un. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu et par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi en quoi? En cette doctrine-là. Mais maintenant, écoutez. Je vais répondre à votre question, ne sois pas pressé. Oui. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'on entend par la doctrine. La doctrine, c'est tous les enseignements de base qui parlent de ces grands thèmes, qui parlent de la personnalité divinisée. Tous les enseignements, je vais en citer quelques-uns. Enseignements, par exemple, sur le baptême. Comment, dans le christianisme, on baptise? La communion. Comment on a fait la communion? Parce que Jésus a dit, vous devez faire ça jusqu'à mon retour. Les repas du Seigneur, les lavages des pieds, tout ça, ce sont des points de doctrine. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a prêché? Le royaume des cieux. Et pour ceux-là qui vont respecter cette parole. Maintenant, nous, quand nous parlons de doctrine, nous parlons des enseignements de base que William Branham a prêché. Et quand il nous a prêché, il dit, j'ai prêché comme Paul. Et que nous n'avons pas d'abord un autre Dieu en qui nous devons placer notre foi en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Ça, c'est le premier point de doctrine. Deuxième point, lui, William Branham, quelle a été sa mission? Il a prié pour les malades, il devait avoir le don de la guérison, il devait prêcher la parole, et il prêche la parole pour que les gens puissent le croire, lui, et qu'il soit leur Dieu, c'est pour croire en Jésus. Mais c'est ça, la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements de base dans une foi. L'homme de Dieu, mais cette croyance, la croyance à la divinité de William Branham, est-elle vraie ou fausse? Merci mon frère. La croyance dans la divinité de William Branham, je dirais, d'un côté, il y a deux aspects. D'un côté, c'est vrai. Vrai, oui. Parce que Dieu l'a utilisé comme couverture. Mais vrai, déjà là, vous appuyez non, déjà non, les amis. Attendez, les mais amis Moïse aussi était Dieu. Donc, je vais vous relater de Moïse. Et laisse-moi, donnez-moi deux minutes, je parle de Moïse. Moïse a été envoyé par Dieu comme messager pour apporter la délivrance au peuple d'Israël qui souffrait en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Maintenant, le peuple avait vu qui en Égypte? Chez Pharaon, c'était Moïse. Maintenant, les enfants de Dieu, d'Israël, là, étaient en train d'adorer Moïse? Non! Mais Moïse parlait, c'est comme ça qu'ils ont dit, c'est que toi, tu sais qu'il sortira de ta bouche, Moïse, c'est Dieu qui nous a parlé. Mais ils n'adoraient pas Moïse, ils adoraient Adonai. La même chose avec nous. William Branham a porté la divinité pour nous prêcher la parole et nous a montré le Dieu à adorer. Il n'a pas demandé à ce qu'on l'adore. Non, mon frère. Il a montré Christ. Il a pointé Christ. Le voilà. C'est lui votre époux. C'est lui votre Seigneur. Il ne s'est jamais pointé lui. Donc les amis là sont en erreur. Ils sont en erreur noir sur blanc, mon frère. Ils n'ont pas raison. Je vous démontre les Écritures. Moïse était un Dieu qu'on écoutait, pas qu'on adorait. Et Moïse lui-même dit quoi? On va vous susciter un prophète comme moi. Alors vous allez maintenant l'adorer? Est-ce qu'on a adoré Moïse pour qu'on adore Branham? Ce n'est pas vrai. Mais ils vont faire, maintenant ils vont faire quoi? Comme ils sont en erreur, ils doivent se repentir et abandonner cette fausse doctrine. Mais ce n'est pas facile. Vous dites parce que vous dites j'ai dit à tous ces pasteurs-là qui prêchent, qui vous écoutent, j'ai leur dit sincèrement avec d'abandonner. L'amour, mes frères dans le ministère, vous qui avez reçu le don des prédicateurs ou l'appel, comme on dit, le ministère pour prêcher l'évangile, prêcher l'évangile ici. Branham a dit, on ne doit pas construire sur un autre fondement. On doit construire sur le fondement que Paul a laissé.
Et Paul a laissé Christ, Jésus. C'est celui-là. Et on dit dans les actes qu'il n'y a point de salut dans un autre nom, si ce n'est que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous vous baptisez au nom de William Branham. Oui. Sachez que vous répondrez. Mais vous avez du temps parce que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir vous réveiller. Peut-être vous êtes sous l'emprise du diable. Permettez-moi ce terme. Le diable, son problème, c'est d'aveugler les gens. Alors que les oreilles entendent le cri du Saint-Esprit, que vous abandonniez la fausse doctrine là. Vous empêchez les autres à croire la parole de Dieu, l'évangile que Branham a apporté, à cause de votre fausse doctrine là. Il y a des gens qui refusent de croire le message et de dire que le message est la vérité. Alors que c'est l'unique vérité que Dieu avait pour les derniers jours où nous vivons avec vous. Mais... faites attention. Ah, c'est vraiment, c'est très sérieux cette histoire. Mais le fidèle qui est là dans cette église où on a divinisé Branham, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le fidèle, il est là avec sa famille, papa, maman, toute la famille. Ils sont là, ils prennent même la photo de William Branham. Ils prient sur base de cette photo-là. Ils mettent même la photo à côté, mais ils voient la guérison. Non, écoutez. Frère Branham dit, ok, merci mon frère. La guérison... Et c'est là très fréquent. Non, écoutez. La guérison ne vient pas parce que tu as placé la photo. La guérison vient par la foi. Et Frère Branham lui-même dit quoi? Quand tu regardes la photo, tu te souviens que Dieu a parlé dans cet âge et a envoyé un don de la guérison par William Branham. Mm. Et du fait que tu crois déjà ça, Dieu agrée ta foi parce que tu es sur la bonne voie de ta croyance. Réellement, tu reconnais que Dieu a envoyé un don sur la terre à travers William Branham. Maintenant, quand tu pries, tu ne vas pas prier au nom de Branham. Tu vas prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la guérison ne vient pas de Branham, vient de Jésus-Christ. Alors, tous ces gens-là qui prennent des photos, Frère Branham lui-même dit ceci. Vous, les gens qui prenez mes images, mes photos, et vous placez ça, vous commencez à me diviniser pour m'adorer, vous êtes en erreur. Je suis votre frère. Je peux vous dire, je ne sais pas, quelque part j'avais noté une écriture comme ça. C'est dans question-réponse sur les sceaux. C'était sur paragraphe de 273, quelque chose comme ça. Alors, frère, madame est en train de dire, je suis votre frère. Ce n'est pas moi qui vous guéris. Et d'ailleurs, je peux vous lire. Il y a encore une petite brochure que j'ai ici. Je peux un peu ouvrir même ça et pour vous lire ça. Et dans cette brochure ici, qu'est-ce que frère, madame dit? Écoutez, je vais seulement lire intégralement parce que je sens que nous sommes déjà vers la fin. Je veux paraphraser. Oui, écoutez, c'est dans cette petite brochure ici, intitulée « Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes okay. ». Et il y en a qui ont ça. Ce sont des petites brochures du message. Maintenant, écoutez, ça c'est Frère Branham lui-même qui parle. Il dit ceci. Les visions et tout ce qui arrive tout autour de son ministère, c'est la prédestination de Dieu. Il dit même lui-même ne comprenait pas sa vie, alors que Dieu l'avait placé, avait placé en lui un don de la guérison. Okay. Et alors il dit, écoute un peu ce qu'il dit, je vais vous lire une chose. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce message, mais écoutez, il dit ceci. Je déclare que l'astrologie vient de l'autre puissance, mais... même le diable doit rendre témoignage des dons de Dieu. Donc, Satan a dit bien que Branham, Nzamba, pèse don ou la guérison, n'a mokili lelo. Aïe bien go. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient derrière pour dérouter les gens. Abo qui pète, Branham ou Anandenza. Parce qu'il sait que quand il veut dérouter les gens comme ça, à quoi voir Bango? Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Dieu a envoyé son ange à Moïse. Moïse n'a rien à voir. Vous allez comprendre. Moïse n'a rien à voir avec les dons qui étaient en lui. Mais Dieu l'a envoyé. Écoute, il dit, c'est l'ange de Dieu qui a fait le travail à Moïse, qui a accompli les miracles. Écoute, Moïse étant seulement une bouche pour l'ange de Dieu. Et aujourd'hui, quand il dit aujourd'hui, il voit où? Il se fixe lui-même. C'est tout ce que je suis, seulement une bouche pour l'ange. Dis-moi ça. C'est fini.
Est-ce qu'il dit que c'est lui l'ange-là qui opérait le miracle? Non. Non. Il est la bouche de cet ange-là. Ah, l'homme de Dieu. En tout cas, il y a à boire et à manger. C'est très important. Nous allons petit à petit vers la fin de notre entretien. Mm. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra. Oui. Vraiment dire à nos téléspectateurs qui nous suivent à Saint-Estan, par rapport à ces messages, William Branham, prophète ou Dieu, fausse doctrine, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que nous devons retenir quelque chose. Le peuple de Dieu doivent retenir quelque chose dans leur esprit et marcher tout au long de leur parcours sur terre, afin qu'ils soient éveillés et que les écailles puissent tomber. Qu'est-ce qu'ils vont retenir par rapport à ces thèmes? Mes bien-aimés dans le Seigneur, un prédicateur a une grande responsabilité, c'est de prêcher l'évangile. Ok. Prêcher l'évangile de la vérité, pas l'évangile de la fausseté. Et quand vous prêchez l'évangile, vous n'êtes pas le premier à commencer à prêcher. Non, il y en a qui sont venus avant vous. C'est comme ça que Paul dit, si quelqu'un vient après moi et commence à construire un autre fondement, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Aujourd'hui, nous n'allons pas dérouter. Le fondement sur lequel nous devons construire tous ou prêcher, c'est sur Christ. Maintenant, si vous commencez à prêcher sur William Branham, vous ne voyez pas que vous commencez un autre fondement? Je ne sais pas pour quel but. Je veux que tous les prédicateurs reviennent. Paul a commencé à l'âge d'Éphèse. Branham est placé au 7e âge, l'âge de la Odyssée. Il dit que j'ai prêché comme Paul. Est-ce que Paul a prêché William Branham comme Dieu? Et je veux que nous puissions revenir à cela. Alors vous, les adeptes, les croyants, voilà, les fidèles, les innocents qui mouraient dans ça, dans des fausses doctrines là, que vous puissiez vous réveiller. Que Dieu enlève, la cécité que Satan a placée sur vos yeux. Parce que ce que Satan fait, c'est de vous enlever la vision, comme il avait tué les yeux de Samson, pour que Samson ne puisse pas voir la réalité. Okay. Qu'il vous ouvre les yeux pour comprendre qu'on ne peut pas être baptisé dans un autre nom, si ce n'est qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, premièrement. Et si vous avez besoin d'adorer Dieu, adorez le Seigneur Jésus-Christ. William Branham nous a dit d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament et aujourd'hui a un nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. William Branham nous a dit d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. William Branham ne nous a pas recommandé de lui adorer. Non. Il nous a montré Christ. Christ, il nous a pointé Jésus-Christ. Très chers téléspectateurs, vraiment vous avez compris le message. Vous avez compris le message de l'homme de Dieu, le docteur Christian Bialoi. C'est un docteur, il est là pour recadrer, orienter. S'il faut fouetter, il doit le faire. Il n'a pas de choix, c'est ce qu'il a fait. Vous avez bénéficié, vous qui croyez, vous qui divinisez Branham, lui-même, Branham de son vivant, a refusé cela. Et ne portez pas la responsabilité à la fin, il risque d'aller, ça peut coûter cher. Hein? Oui! Mais il y a des âmes qui vont se perdre à cause de ça. Ça va coûter cher. C'est-à-dire, tu vas perdre ton âme. Tu as travaillé durement comme ça pour prêcher l'évangile, mais tu vas te perdre. Et en plus de cela, tu perds aussi les âmes auxquelles tu étais en train de prêcher. Et Dieu va te demander le sang de toutes ces âmes-là. C'est une grande responsabilité. Parce que chaque prédicateur répondra de tout ce qu'il a prêché. L'évangile qu'il a prêché aujourd'hui. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Oh, merci. À la fin, la télévision, c'est l'étang. Vous nous donnez l'adresse de l'église, le numéro de téléphone. Et c'est très important pour la simple raison que celui qui nous suit ici, il peut être intéressé, il peut avoir d'autres questions qu'il peut vous poser. L'adresse de l'église et le numéro de téléphone. Merci, bien-aimé. L'adresse de l'église,
nous sommes en train de nous réunir sur l'avenue Banzapa numéro 39. Oui. Vous comprenez que autrefois dans d'autres émissions, nous étions quelque part sur Kingonima. Oui, oui. Et on se déplace. L'adresse a changé. Voilà, comme nous sommes encore en train de louer, nous n'avons pas d'adresse fixe. Mm. Maintenant, nous sommes sur Banzapa numéro 39. Mm. Et nous nous réunissons, on peut dire, avec un petit groupe que Dieu a mis sous notre contrôle. Et c'est comme ça que si vous avez le souci de venir, demandez au quartier Finda, dans la commune de Kinshasa-Ngaliema, en République démocratique du Congo, à Kinshasa bien sûr, et sur l'avenue Mbanzapa numéro 39, au quartier Finda, dans la commune de Kinshasa-Ngaliema. C'est là où nous nous retrouvons. Le numéro de téléphone, c'est 082-61-78-659. J'ai dit 082-61-78-659. C'est ça le numéro qui peut être affiché, que vous pouvez utiliser pour nous atteindre. Et même si vous avez des questions, nous allons chercher à vous donner réponse sur base du message. Parce que nous n'avons pas autre connaissance que le message que nous avons reçu. Et alors pour l'adresse, si vous voulez adorer, nous sommes là le dimanche souvent. Oui, oui. Dimanche, nous sommes là à partir de 10h et jusqu'à 12h, nous adorons le Seigneur ensemble dans cette adresse-là de Banzapa 39. Et puis, courant de la semaine, nous prenons jusque-là mercredi. Mercredi à partir de 16h juste, jusqu'à 18h. Et c'est ça. Et l'horaire que nous avons seulement ces deux jours-là. Si le Seigneur nous accordait grâce, on peut voir et on peut retoucher l'horaire. Mais pour le moment, nous prenons mercredi et dimanche. Mercredi de 16h à 18h et dimanche de 10h à 12h. Nous voulons nous conformer totalement à la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout ce que le messager de l'âge a dit. Il nous a dit de ne pas retenir beaucoup de gens. Il y a des gens qui retiennent les enfants de Dieu de 8h jusqu'à 17h. Pour faire quoi? Vous allez changer les gens au même jour? Non. Le travail de Dieu, c'est petit à petit. Et tout ça, c'est parce que les gens veulent, je ne sais pas où se placer en premier lieu pour faire des choses. Mais nous ne condamnons personne. Nous voulons que les gens se conforment aux Saintes Écritures. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous sommes dans l'entreprise du Christ. Amen. Et dans l'entreprise du Christ, il n'y a que Christ qui est élevé, il n'y a que Christ qui est adoré, il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui est élevé, adoré, exalté. C'est Elohim. À part Christ, il n'y a pas un autre Dieu adoré. Donc, très cher téléphone, on n'adore pas Branham. Branham est un prophète. Amen. Branham était précurseur, messager, et il nous a montré Christ. Voyons la personne que Branham nous a montré. Il nous a montré que c'est fini. Alors, votre fidélité nous fait toujours plaisir. Et alors, on se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. N'oubliez pas, vous nous suivez bien sûr sur notre chaîne HT Télévision. Le mercredi à partir de 14h et la rediffusion samedi à 16h30. Et vous avez la possibilité encore de nous suivre dans notre chaîne YouTube des milliards de chrétiens TV. Et vous nous demandons de vous abonner. C'est une façon pour nous, pour vous bien sûr, de nous soutenir. Très chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Ciao.